Alors que les voitures s'élancent sur le tracé du Nürburgring, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans ce 26e épisode de la série du mode à la mode. On va aujourd'hui parler d'un pack de voitures qui est sorti pour Assetto Corsa, vous l'aurez bien sûr reconnu. Et on va parler de groupe 4. Alors le groupe 4, pour les plus jeunes, il faut savoir que dans les années 70, les voitures étaient divisées en certains groupes. Vous connaissez certainement le groupe B en rallye, le groupe A aussi qui a fait ses débuts suite à la fin du groupe B en rallye. Il y a eu le groupe 2, etc. Donc allez vous renseigner un petit peu sur toutes ces divisions pour comprendre un petit peu mieux peut-être le classement qui était fait à l'époque en sport auto. Aujourd'hui, eh bien, ce sont trois monstres, et je n'ai pas peur de le dire, trois bestioles qui ne demandent qu'à rugir entre vos mains, qui nous sont proposées dans ce pack. On pourra appeler le pack groupe 4 pour Assetto Corsa. Il comprend trois voitures, la Ford Capri, la BMW 3 litres CSL et la Porsche 911 RSR. Trois voitures qui ont animé les différents championnats d'Europe, les rallyes, les championnats du monde, des courses d'endurance également, deux voitures de tourisme de production dans les années 70. On va les passer une par une en revue et ensuite on fera un bilan global du mode pendant que les voitures tournent. Vous aurez ensuite deux tours effectués avec deux voitures différentes. Ici on s'est intéressé un peu plus au Ford Capri, donc ensuite vous aurez un tour avec la Porsche 911 à Spa-Francorchamps et ensuite avec la 3 litres CSL de BMW en Autriche. D'abord, parlons un peu de la moins véloce des trois. Vous le voyez un petit peu, elle se traîne en fin de peloton lors de ses replays. La Ford Capri, qui a été produite donc de 62 à 86 pour la route, pour monsieur et madame tout le monde, elle a quand même remporté énormément. Je pense que des trois voitures, c'est une des voitures les plus titrées tout de même. Comme ça, de mémoire, le championnat, je me rappelle du championnat d'Europe avec ses livrées blanches et bleues, qui étaient les couleurs de Ford, de toute façon. Mais elle a été championne d'Europe, elle a été championne de Belgique, d'Allemagne, d'Angleterre, d'Espagne aussi. Elle a remporté les 24 heures de Spa en 71 et 72, si ma mémoire me fait pas défaut non plus, les 24 heures du Nürburgring et le Tour de France Auto, qui était en fait une sorte de course qui faisait le tour de la France avec des voitures mi-route, mi-rallye qui étaient préparées à l'époque. Et le résultat le plus notable, ce qu'on retiendra de cette voiture en compétition, c'est peut-être les 7 minutes 8 secondes et 59 centième sur la Nordschleife effectué par Claude Nitzwitz, pour l'accent, qui avait quand même réussi à faire une très belle prouesse à l'époque où les voitures dansaient sur le Nürburgring et pouvaient peut-être passer parfois à certains endroits avec les 4 roues au-delà du sol. Ça, c'était pour la Ford Capri que vous voyez passer à l'instant dans la ligne droite des stands. Elle est proposée dans ce pack avec 4 skins différents qui ne sont pas des skins officiels. Pour la plupart, ce sont des skins un petit peu modifiés, mais vous savez bien que le site Race Department se chargera de nous fournir les skins officiels de compétition de l'époque. On va poursuivre avec la BMW. Ma BMW 3 litres CSL, donc moi je connais un peu mieux forcément de par mon intérêt pour BMW. Et cette voiture là, comme vous la voyez, en fait j'ai l'impression qu'elle est configurée pour le groupe 2, qui n'était pas le groupe 4, qui était un groupe différent. Je sais, ça paraît compliqué, c'est beaucoup de groupes, mais on va s'y retrouver. Cette BMW qui est elle, la sérieuse du groupe, là où la Ford est la plus bordélique à conduire, la BMW c'est celle qui se tient le mieux, qui est la plus en ligne, la plus facile à braquer, la plus facile à réaccélérer. C'est vraiment la voiture la plus facile à prendre en main, peut-être par sa répartition avec son moteur, etc. Une voiture qui en fait a connu le succès en Europe et qui a été lancée en 73. Et il faut savoir qu'en Europe en 73, il y a eu la crise financière. En 74, BMW a décidé de s'exiler aux États-Unis pour 2-3 saisons afin de continuer à piloter, à rouler, à gagner des courses, tout simplement parce que la compétition était interdite le dimanche en Europe. Allez vous renseigner aussi là-dessus, c'est intéressant à savoir. Et alors bien évidemment, BMW débarque aux États-Unis et sont très vite pris pour des Britanniques. Ça, c'est assez marrant l'anecdote, par les Américains qui pensaient que BMW signifiait British Motor Works et non pas Bavarian Motor Works, donc Bayerische Motorenwerke pour les plus allemands d'entre nous. Et en fait, voilà, ça c'est de la petite anecdote de l'époque. Donc voilà, c'était vraiment une voiture qui n'est pas celle que j'ai préférée de toutes les trois dans ce pack. Celle que j'ai préférée et qui va certainement aussi retenir votre préférence et avec laquelle vous allez peut-être enchaîner les tours dès que vous aurez téléchargé ce mode disponible dans la description, il s'agit de la Porsche 911. Pourquoi? Cette Porsche, en fait, elle est très bien équilibrée. Donc la Porsche, vous la connaissez notamment pour avoir remporté dans les années 70 le Monte Carlo avec, à l'époque c'était contre les Renault 5 de Jean-Claude André, je ne sais plus
qui pilotaient, honte à moi, ces Porsche dans les années 70 au Monte-Carlo. En tout cas, elles ont marqué de leur empreinte également l'IMSA, donc le championnat américain de GT Tourisme, avec des voitures absolument monstrueuses qui étaient dotées d'ailerons avant que les 935 viennent prendre la relève en compétition fin des années 80, avec la création donc du groupe 5, où il y a eu également Ford qui est arrivé avec des Ford Capri et BMW avec les 320i. Bien, ces trois marques-là avaient d'abord vécu le combat en piste avec ces modèles qui tournent actuellement sous vos yeux. Donc cette Porsche 911 qui est vraiment la plus agréable à écouter, à piloter et à tout simplement faire jongler. Il n'y a pas d'autre mot, vous jonglez avec la voiture sur le tracé. Et on va se laisser ici en termes de commentaires. Je vais vous laisser profiter du mode, du son. Donc le mode est très bien réalisé, les modèles sont très fidèles, très sympathique, la physique du jeu est intéressante, donc vraiment si vous voulez voir d'anciennes voitures et que vous voulez les prendre en main comme le voulait à l'époque, eh bien le résultat technique de ce qui était devenu ces voitures de compétition, franchement il y a du blocage de roues, il y a du contre-braquage, et vous voyez que le tour va débuter à Spa-Francorchamps, et vous allez, ça va peut-être vous rappeler une petite vidéo qui traîne sur le net d'un pilote qui s'amuse à drifter au long de Spa-Francorchamps avec sa Porsche 911, et c'est vraiment la sensation que j'ai eue, c'est constamment être comme si j'étais avec, je ne sais pas, des pneus slick sous la pluie, et c'est du pur bonheur pour les yeux et surtout bien pour les oreilles. Et en parlant d'oreilles, bien je vous laisse donc profiter de ce tour en Porsche 911, et on enchaîne ensuite avec un tour avec la BMW. Chaque fois vous aurez le tour embarqué, ensuite le replay. Allez les amis, amusez-vous bien, montez le son, et je vous dis à bientôt, salut. Thank you.